Sur une double F fruitière ici, double parce que j'ai mis deux lignes de pommier sur un 106, donc du moyenne à forte vigueur quand même. Alors ne reproduisez pas ça de but en blanc. Ici c'est une double haie espacée d'un mètre 50 entre les deux lignes. Donc j'ai une ligne qui passe vraiment d'un côté et une autre de l'autre, une ligne d'arbre. Et les arbres même sont espacés de 3 mètres. Donc là par exemple, on voit là il y en a un autre ici à 3 mètres, etc. etc. Alors, ne le reproduisez pas pour de la fructification uniquement ou pour chez vous comme ça, sans réfléchir. Ici, moi, c'est très serré. C'est très serré, pourquoi? Parce que c'est une double haie, déjà avec une gestion de la mise à fruits par arcure, et ensuite avec beaucoup de taille fruitière, une taille d'été. Donc en fait, je limite la taille des arbres tout le temps. Et leur deuxième utilité, c'est d'être des pieds-mères de variété. Ça veut dire que tous les ans, je taille des greffons dedans, donc vous l'avez vu dans les toutes premières vidéos. La récolte des greffons de ces arbres-là intervient tous les ans, donc ces arbres sont moitié à produire du fruit et moitié étronniers pour faire des greffons. C'est pour ça qu'ils ont des formes bizarres. Ils ont été plantés en 2016. Ça veut dire qu'ils ont 6 ans de pousse ici. Donc ils sont vraiment pas gros. Certains ont correctement poussé, mais pas énormément quand même. Pour la simple et bonne raison qu'on est sur du caillou, sur de l'ardoise. Ici, j'ai très très peu de sol. J'ai des saules aussi, mais j'ai très peu de sol, donc de terre. Et donc, c'est pas grave puisque mon but, comme devrait être le but de tous les paysans, c'est de améliorer leur sol et le construire, l'aggrader. J'ai appris ce week-end que aggrader, c'était un mot qui était même pas encore dans le dictionnaire, peut-être, qui était un mot utilisé en permaculture, qui est l'inverse de dégrader. Il est peut-être pas dans le dictionnaire parce que l'humanité n'a toujours pas compris qu'elle pouvait améliorer son environnement plutôt que de le dégrader. Dans tous les cas, on peut l'aggrader, on peut l'améliorer, on peut construire du sol. Vous savez maintenant que je suis un amoureux du BRF. Quand je dis amoureux, je pèse mes mots. Pour moi, la base de la vie du sol, c'est le carbone. C'est pas que pour moi, hein, je l'ai appris.
La base de la fertilité, mais la base de la vie, la base de toute base de vie du sol, c'est le carbone qui le nourrit et qui nourrit tout le reste, évidemment. Quand on dit le sol, c'est de la microfaune et de la macrofaune en même temps. C'est à la fois des insectes et des bactéries et tout ce qui gravite autour, dont les mycorhizes en sont un des grands éléments. Les champignons mycorhiziens, les champignons tout court même. On a les limaces en surface, on a les vers de terre en profondeur. Tout ça, ça construit du sol. Et donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette haie, qui a été plantée il y a 6 ans, sur du caillou, devrait avoir du mal à pousser puisqu'elle est sur du caillou déjà. Elle devrait souffrir beaucoup de la sécheresse parce que c'est un terrain en même temps très drainant. Et que malgré le fait que l'on soit en Bretagne, il ne pleut pas tant que ça. Ici, ce printemps est très sec, comme je pense partout en France. Ce qui peut être bien pour certains, l'est beaucoup moins pour d'autres, ce qui est mon cas. En tant que producteur, en tant que pépiniériste, les maraîchers c'est pareil, n'importe quel producteur vous le dira. Les plantes ont besoin d'eau. On aimerait éviter d'arroser tout le temps. Sauf qu'à un moment donné, si on a envie de manger, bah, il va falloir faire des choix. Cette année risque d'être particulièrement difficile à vivre, surtout vers la fin d'année. Et donc c'est maintenant qu'on construit ses stocks, c'est maintenant qu'on prépare ses réserves, qu'on commence à préparer ses réserves. Moi, je vous encourage à planter tout le temps, planter des choses utiles, des choses qui se mangent, des choses qui vont pouvoir vous chauffer, qui vont pouvoir vous abreuver d'une certaine manière. Cette haie, pour en revenir à elle, donc a été aidée dans son développement par l'apport annuel, tous les ans, de mulch carboné. Alors aujourd'hui, je fais pas mal de BRF, donc je peux lui mettre du BRF, mais pendant des années, je ne faisais pas de BRF. Je n'avais pas encore mis en place cette ressource. Et donc, je mettais des mulches beaucoup issus de fumier de cheval, de nettoyage de box d'écurie, de poney club. Et donc c'était du fumier de cheval très pailleux. Donc je mulchais beaucoup avec de la paille, on peut dire, puisque c'était quasiment 80% de paille et le reste de crottin et peut-être un peu d'urine intégrée dans les pailles. Et donc j'y mettais des quantités sur cette haie tous les ans, énormes. Et le problème, c'est que on a fait ça également sur nos zones potagères ou d'autres zones de culture. On a élevé des campagnols. Alors c'est pas parce qu'on met du mulch que ça élève des campagnols. C'est plus précisément parce qu'on met des mulches isolant que on crée un biotope accueillant pour les campagnols. Pas que les campagnols, mais essentiellement eux. Et les campagnols, sous la paille, donc sont isolés du froid, tant qu'elle est pas encore dégradée, hein, sont isolés du chaud et sont isolés de leurs prédateurs naturels. Exemple, les chats, les renards, les rapaces. Et donc ils peuvent proliférer. On sait que les terres françaises sont globalement envahies de campagnols, normal. On a détruit tous les milieux. Donc fallait pas s'étonner. Malheureusement, aujourd'hui, on en paye un peu les pots cassés, on en paye les conséquences. Et donc ça a été mon cas. Cette année encore,
je tente, enfin, je mets en place des moyens de sauver mes arbres. Donc ici, cette double haie de pommiers est également plantée de beaucoup de petits fruits, des cassis, des groseilles, des cassayes. Il y a beaucoup de consoude que j'ai mis entre les deux lignes. On en voit en fleurs avec les bourdons qui butinent. Et donc dans la construction de ce biotope-là, je mets une fois par an du mulch, une bonne dose de mulch. Et bien évidemment, les premières années, dans mon inexpérimentation, non, dans mon inexpérience de l'ensemble des cultures paysannes, et cultures de la terre, je n'avais pas évidemment prévu à ce point-là un élevage de campagnols. Et donc, entre chaque mulch, bah, je laisse pousser en fait. Vous voyez ici les touffes de graminées de toutes sortes. Et donc en fait ça fait un deuxième effet mulch protecteur pour les campagnols, puisque même si le mulch carboné, pailleux est dégradé, eh bien prennent le relais les graminées et les campagnols sont de retour dans un milieu favorable pour leur développement. Donc là, si je regarde ce pommier qui a quand même quelques années, ben, même encore à son âge, il se fait manger les racines, ronger les racines. Donc là, on le voit, hein, j'ai mis à jour la galerie. Et si je fais le tour de tous les pommiers, c'est pareil, enfin, ils sont quasiment tous comme ça grignotés. Donc l'idée, ça va être d'essayer de les sauver. Et donc la première étape, c'est de désherber, de tout nettoyer. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai commencé déjà sur un quart de cette haie. Et je vais continuer. Après avoir désherbé, je vais faire en sorte de repérer les galeries que je peux casser. Et puis tout de suite après, je vais remulcher, mais cette fois-ci avec du BRF. Donc vous le connaissez maintenant, mon précieux BRF. Et donc bah, ce BRF en fait a l'avantage, bah, de faire un mulch carboné déjà, de nourrir mon sol, nourrir mes champignons du sol, nourrir la vie du sol, faire un mulch pour empêcher les herbes sauvages, les adventices de trop pousser. Elles vont quand même réussir à le faire. Et puis comme c'est pas isolant, ou beaucoup moins en tout cas que de la paille, le campagnol va moins se développer. Si je suis motivé, je passerai un coup de grelinette entre les deux lignes de pommiers pour vraiment casser les galeries internes. Et puis, il faut que je remette aussi quelques perchoirs à rapaces. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est de, pour sauver les arbres, je vais les affranchir, je vais leur permettre de s'affranchir. Et donc en fait, si je regarde cet arbre, son point de greffe est là. Il a encore 10 cm où il n'a pas été mangé. Donc il a une base encore vivante, mais l'idée c'est que comme le porte-greffe c'est du M106, ça bouture facilement, ça fait de la racine facilement. Donc je vais recouvrir tout ça jusqu'au point de greffe au minimum, et même plus en fait. De terre, plus de mulch.
L'arbre, il va pouvoir refaire des racines et avec un peu de chance, ça va lui permettre de compenser ce qu'il a perdu en dessous. S'il fait des racines au-dessus du porte-greffe, c'est pas grave. C'est un arbre qui va se débrouiller sur ses propres racines, qui va potentiellement devenir plus vigoureux. Mais comme c'est des arbres ici que je taille tous les ans, je devrais pouvoir le gérer. Bon, bah, ça va être dur de faire beaucoup mieux, à part de lui mettre un coup d'arrosage pour l'aider à avoir une zone humide, favorisant la croissance racinaire. Donc là, j'attendrai que mes cuves soient remplies pour le faire. Déjà là, ça va être autrement plus agréable pour lui. Et puis ben malheureusement si j'arrive pas à le sauver ben j'en replanterai un. Dans tous les cas j'ai sauvé la variété, je la multiplie déjà. Celui-ci c'est une variété répandue en Bretagne, hein, c'est la Reinette d'Armorique. Très tardif, on voit qu'il est à peine en fleur. Alors que beaucoup des autres ont déjà fleuri. Et puis bah, je vais faire ça maintenant sur les 16 autres arbres de ma haie ici, puisque j'en ai 16. Sur les 15 autres, puisque j'en ai 16. Et bien évidemment sur tous les petits fruits aussi, puisque je suis quand même spécialiste en production de petits fruits, enfin d'arbustes à petits fruits. Donc tout cela, ce sont aussi des pieds mères. Alors pour le moment, je touche du bois, mais ils ne souffrent pas, eux, des attaques de campagnols. Mais justement, pour éviter que ça arrive, on va continuer de... Je vais continuer de faire ça partout. Dans tous les cas, même si ce n'était pas pour les campagnols, je le ferai. Et c'est ce que je fais tous les ans de toute façon. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de BRF. Parce que ça, les arbres et les arbustes adorent. Je peux vous le montrer sur mon petit parc ici de pieds-mères de petits fruits qui a été mulché épais l'an dernier avec du BRF. Et quasiment 10 mètres cubes qui sont partis là sur une centaine de pieds. Ils ont eu un bon 10 cm partout. J'ai du désherbage à faire dedans justement. Mais en attendant, ça pousse comme pas possible. Et comme j'en ai laissé en mode production de fruits, ben, j'ai également beaucoup beaucoup de fruits en préparation. Les tiges ici sont remplies de fruits. Ce que j'ai taillé pousse vraiment très fort. On voit que la zone est pas mal envahie par les adventices, hein, encore des graminées beaucoup. Et pourtant ça a été paillé par 10 cm de BRF l'an dernier.
J'avais fait avec Martin d'ailleurs. Et le BRF a quasiment entièrement disparu, entièrement mangé, entièrement assimilé par mon sol. Et là, on dirait pas comme ça, mais en fait, c'est pareil que pour les arbres. Je suis sur du caillou, encore pire d'ailleurs, puisque là, je suis sur un affleurement rocheux. Et là, j'ai littéralement que 5 cm de terre à la base, au départ. Et la seule terre qu'on a ramenée, qu'on a rapportée sur les lignes, en fait, c'est juste en creusant les allées. Creuser les allées pour remettre sur la ligne, pour essayer de gagner un peu en hauteur. Donc là, j'ai même plus la place pour les désherber d'ailleurs. Je sais même pas si j'aurai le temps d'y aller. Ça pousse fort. Sans engrais autre que du BRF. J'ai même pas fait d'arrosage l'an dernier. J'en ferai peut-être un peu cette année. Au moins pour garder les fruits. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'ai jamais dit que le BRF empêcherait complètement les campagnols de venir, hein. Mais par rapport à un mulch pailleux, la différence est quand même assez importante. Donc voilà, vous voyez, ça c'est une ligne qui a déjà bien avancé de. Donc là, il y a 3 pommiers. Donc je vais continuer. Je vais continuer à faire ça pour essayer de sauver ces arbres-là. C'est pas toujours facile à accepter, mais il faut pourtant accepter la perte en production. Quand on est producteur, que ce soit de fruits, de plants, on travaille avec la nature, on travaille avec des aléas qui ne sont pas de notre fait, on travaille avec des perturbations climatiques, de prédation, choses comme ça. Et donc on peut pas tout maîtriser. On peut limiter les casses, on peut limiter les perturbations. Mais on doit aussi accepter les pertes. La résilience, la construction de votre autonomie, que ce soit juste pour la production de fruits dans votre jardin ou parce que vous êtes producteur de plants ou de fruits. Je vous ai fait une vidéo sur comment calculer le nombre de pieds mers à avoir pour s'installer en pépinière. Bah, c'est ce qui vous permet justement de faire face aux situations non souhaitées. Je perds un arbre potentiellement. Je perds un arbre potentiellement qui a poussé pendant déjà 6 ans. C'est embêtant. Sauf qu'en 6 ans, je l'ai déjà multiplié peut-être 20 fois, 30 fois, juste pour moi. Ça veut dire qu'en réalité, ma résilience, elle est déjà faite. Je plante plus que ce que je perds. Les bonnes années où on perd rien et qu'on a planté quand même, ben on a beaucoup de production. Donc on n'est jamais perdant.
On n'est jamais perdant à planter trop, ou planter beaucoup en tout cas. On plante jamais trop. Et puis, l'autonomie d'un pépiniériste, c'est être capable d'avoir ses greffons aussi de différentes manières. C'est bien d'avoir des pieds-mères chez soi, mais c'est bien d'avoir des copains, d'avoir un réseau de collègues pépiniéristes aussi, d'avoir des voisins, d'avoir de la famille chez qui on a placé des arbres. Quelquefois, l'occasion d'un cadeau, d'offrir un arbre ou un arbuste, c'est aussi l'occasion de disposer d'un pied-mère futur en cas de besoin.